Sur Emovie. Pareil. Bon, bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre ici, nous sommes en compagnie de Layo, Wiltupac et Monsieur Car... complètement en compagnie créole. Les teamas sont encore en train de manger, évidemment, puisque le premier match un peu sérieux de ces lâches chances du Capcom Pro Tour va commencer. Le père Balrog. Le père Balrog va affronter le mauvais. Après, je mets pas 100 000 euros, je mets 1000 euros parce que l'autre il joue boxeur quand même. Non, ouais, moi je mets 10 000 euros sur un mauvais. Bon. S'il joue comme Nastinas, MOV va pas reconnaître ce qui lui arrive. Un petit clin d'œil à toi, mon Nasty. Round one fight, skill over et bim. S'il fait ça. Mais vrai que. Ou Dashlo, allez, Dashlo, reste gentil, Dashlo. Ah, Dashlo, c'est encore plus... Dashlo, ça va être il est capable, il est capable. Ah non, on voit ce qui se passe. Il y a beaucoup de mais boxeurs Mais il joue Japon. Encore Rogue. Ah, mais il est inscrit, il doit jouer un peu quand même, non? Il y a beaucoup de boxeurs au Japon. Rogue qui, dans les chambres à l'Evo, nous expliquait à quel point il aimait le jeu. Ah oui, complètement, oui. Il kiffe sa vie. Hein. Il nous en a parlé juste après avoir joué contre Genius. C'est ça. Il a pas kiffé. C'est ça. Ah oui, Genius, il l'a lamenté. Il a pas kiffé. Hein. Ouais, c'est ça. Quand il a perdu, il m'a fait, mais c'est qui ce mec? Fais t'inquiète. Mais moi, le truc, je crois que pour être fort dans le jeu, faut vraiment le kiffer, le jeu. Non, en vrai. Pour être fort dans le jeu, faut envoyer au bon moment. Ah, et tu regardes Genius, ça lui va mieux qu'aux autres jeux 2D parce que tu vois, à Tekken, t'as un peu ce côté j'envoie au bon moment, tu vois. Il y a un côté, il y a un moment, Tekken. C'est pas faux. Faut que tu fasses ton mid ou ton low et tu prennes des risques. Hein. Sinon, il va rien se passer. Oui, oui. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, sérieux 50. Sur le. Il va bloquer, il va faire un tap. Nas aurait bourré 3 tap. Péqué tap. Oh, ce décalage shot de l'autre. Ah, il a bourré. Le décalage. Ta technique, il a tapé au bon moment. C'est ça. Jimmy Yobadi. C'est ton son, ça? DJ Ludo. Ah là là, putain. Ça, c'est les anciens. T'as vu comment il est revenu en quelques frames quand même avec Boxer? Ouais. Ça rigole zéro, hein. Il y a juste un Veskill Overhead qui est rentré, c'était fini. Et Boxer va avoir une shop speed. Ah oui, ah ouais. Mais ça putain, ils mettent vraiment tous les coups de Cracker Jack. Hein. Mais la shop speed, c'est juste son V-Trigger. Ouais, mais il peut le faire plusieurs fois. Tu vois, c'est ça. Bah ouais, mais ça veut dire qu'il perd le V-Trigger craqué là, c'est ce qu'il rend claqué, c'est son V-Trigger là. Ouais, mais tu sais, la shop, c'est comme l'Ultra 2 de Street 4. Ah oui, je vois. Ça va faire beaucoup de stun. Voilà. Oh la barre. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Alors, t'as vu, je vous avais dit qu'un mauvais était là, les gars. Elle est mauvais. Mais la rage! Mais la rage! Give me your body. C'est ça, Boxer. Regarde, il est là. Il est ni content, ni pas content. Voilà. C'est ça. Il t'a dit juste, j'aime la communauté des jeux de combat. C'est tout. C'est ça. Il a un t-shirt Shadowverse. Boxer. Ah ouais, bah petit point, juste comme ça, pour frame trap. Allez, mauvais, lâche rien, mon gars. Oh là là. Voilà, là. Tu dois juste le toucher encore 300 fois. Ils ont beaucoup de boxeurs, ils ont beaucoup de boxeurs au Japon, mais il n'y en a pas un qui gagne. Il n'y en a pas un qui vous remonte comme ça. Oh là là, c'est ils sont trop respectueux, peut-être, là-bas. Ah, complètement, complètement. Ah ouais. Mais c'est Luffy, ouais. Il disait ça. Hein. Luffy, ouais. Les Japonais, ils te respectent trop ils de jouent, ouf. Ils jouent trop propre. Ils sont malades. Ah ouais, complètement. Prennent pas risque. Enfin, ils évaluent trop. Ils déchoppent jamais. Il déchoppe jamais, mais quasiment pas. Après, je ne sais pas vraiment toi, qui domine entre les US. T'es un peu japonais, toi. Eh ouais. Ouais. Tu devrais aller jouer dans au Japon. Je suis un gros weeb. Ça se trouve, tu ferais la PlayStation League là-bas. Je mourrais en poule aussi. Mais pas pour les belles. Ça, c'est dit. Tu ne peux pas jouer. J'avoue, ça c'est dit. Oh là là, regarde comment il a bourmenté là-dedans. Ah, son 3 frames. Mais la balle. Oh, c'est parti, c'est parti. C'est forcément overhead. Vous êtes sérieux avec non, la balle. Dernier mix-up et c'est bon. Et voilà, MOV en loser bracket. Bon, les 10 000 balles. Mais oui, mon gars. À boule, les 10 000 balles. 1000 balles. Non, j'ai bien fait de baisser. 1000 balles. 10 000 francs CFA. Moi, je parlais en francs CFA. Ah, le francs CFA. Oui, parce que moi, la dernière fois que j'ai commenté, c'était un tournoi... En Côte d'Ivoire. Mais donc personne n'en veut du franc CFA. Hein non, même les Africains n'en veulent plus du franc CFA. Tu sais que c'est très dur de trouver des pièces. Bah oui. Parce que les pièces... S'ils en font plus. Bah ouais, les pièces... Et en fait, c'est horrible parce que dans l'aéroport, tu as des machines pour boire où il faut mettre des pièces, mais personne n'a de pièces.
C'est abusé. Ah, ça... Et tu vas faire du change. Personne te rend la monnaie parce que personne a la pièce. Tu fais du change, on te rend pas la monnaie. Oui. Ça s'appelle ça. De l'escroquerie. C'est ça. Tu dis bah rends-moi la monnaie. Je voudrais 5 euros en échange de pièces. Bon bah je le prends tes 5 euros puis tu vas. En tout petit, qu'est-ce qui devient de la, notre ami ah, là, là, le patron Akainu. Alors Akainu, lui est passé, il me semble. On a vu qu'un match, hein, je sais pas si il était sur le stream. Ouais. Alors, non, vous avez... j'ai une petite nouvelle sur AE. Vas-y. Alors, Gashikun qui dit Rachid, il est pareil et il a toujours le trolloup. D'accord. Voilà. Ça c'est fait. C'est fait. Rachid est pareil, donc Rachid est top. Donc on a au moins une idée pour. Et t'as Christophe la saison 3 qui dit. On m'enlève à moi, mais pas à Rachid. Ah, qui commence déjà à se plaindre. Oh là là. Voilà, et instantanément, ça, pleurage. Allez, Shax. Voilà. Ah, Dicta et Buff, apparemment. Il était, bah, il était, oui, non, il avait besoin, ça, il était par poule combien, Akainu, vous saviez? Ça, c'est Nick Tanella. Akainu, je sais pas quelle poule il était, mais je sais qu'il a battu Rome. Je suis trop loin, là. Et je suis trop loin, je vois pas l'écran que je... Que je montre. Que je pilote. Bah, ouais. Regarde ton stream sur la tablette. Ouais, Nick Tanella. Ouais, c'est bien Nick Tanella. Nick Tanella. Shax, j'espère qu'il va prendre Laura. C'est le mec que j'ai encouragé à aller voir alors que je le connaissais pas. Tu l'as encouragé? Ouais, tout simplement parce qu'il joue à la hitbox. Ah, j'avoue. Infused. Il joue en Nekali. Shax, hein, bien sûr. Shax va nous sortir ça, Laura. Moi, je pense qu'il va sortir Laura. Laura. Team Infused parce que les Anglais boivent. J'aime bien la Laura de Shax. Je l'ai vue au WSO. On a fait 2 FT5, enfin lui et moi contre John Sarkat. On échange un peu nos techs et j'aime bien. Dans la Death Pool, Akainu il est dans la Death Pool. Chaque c'est un peu tout. Il y va. C'est tout ou rien. Des petites techs qui sont vraiment pas mal au corps à corps. Des traps qui sont vraiment bien. Il utilise beaucoup le gros point. Il a une science du gros point, je la trouve pas mal. Gros point. Le gros point. Oh là là, le jeu vidéo. Le genou. Ah là là. Cette bonita. Ah non. Ah j'aimerais bien trouver. Ah t'as vu Topsy? Quoi? Ah oui, ah, il a avancé. Cette dash avant gros point mon gars. Dash avant gros point. Ah mais nickel. Mais tu sais que c'est exactement la même chose que Ken. Ouais. Le startup c'est exactement c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Juste que Ken il est pas à côté. Au mieux genouter. Hein. Ah coup de genou. Ah hein. Le genou. Mmh. Le genou. Ah là là. Petit pied coup de genou. Petit pied coup de genou. Ah bah là tu vois. Il a fait dash avant, non, il a pris gros point. Ouais, il a pris MP. Il voulait faire gros point, il a pris MP directement. Ah, mais je confonds chaque, c'est celui-là, d'accord. Moi, je pensais à Shivryuken. Non. Parce qu'il y a plusieurs Laura aussi. Hein. Ouais, bien ça. Oh là là, Laura. Ah, il a pas mis la garde, le mec. Ah ouais, il va au bout des choses. Ah, oh, anti-air, bien joué. Ok. Oui, nice. Très bien. Oh oui. Oh, la voiture est découverte. Ah, ah ouais, c'est... Très bien, très bien. C'est la foire à la saucisse. Ok, ouais, c'est... Ils sont motivés, c'est pas que la saucisse, là. Il y a du rôti, il y a tout, là. C'est ça. Ils sont motivés. Oh là là. Ouais, Street Fighter... J'essaie de trouver... J'essaie de retrouver. Oui, ok, il a tapé. Devant. Attends, il a fait Shop Spé, dash avant, petit point. Et c'est rentré en counter. Shop Spé, dash avant, petit point. Petit point, c'est rentré en counter. Oh, reset, ben, en fait, c'est comme si on fait shop spé dash avant shop spé, mais tu mets petit point, ça. Ouais, t'as plus de chance. C'est pas mauvais. Ah oui. Ouais. Et il boit du Fanta. Avec sa manette blanche, comme d'hab. Mais c'est un coulis. Alors, je comprends pas. Le coulis boit pas. C'est quoi? Alors, Akainu est en finale contre Chris Tartarian de la Death Pool. Voilà, ça, je l'ai retrouvé. Être bien. Donc, il a battu Sabine. Il a battu Sabin. Ouais. C'est bon ça. Voilà. C'est mais bon. Qu'est-ce que c'est que cette Death Pool? En fait, c'est la poule de ceux qui s'inscrivent le même jour. Ils sont tous dans la même poule. Oh, d'accord. Ah. C'est... Okay, d'accord. Ça veut dire d'accord. Si les gens ils ont dit oh venez les gars, on va faire la chaîne. C'est la merde. Ok, ok. Donc il va jouer contre Christy. Donc s'il perd contre Christy. Ah Nick Nutella maintenant. Ils ont changé Nutella. Tout à l'heure c'était Tanella. Maintenant c'est. Et il est sponsorisé par Tanella. Ah ouais. Ah ouais, c'est marqué dessus. Regarde, Infused, Tanella. Ouais. Ah ouais, Nick Nutella. Voilà. Tanella. C'était mieux, Nick Tanella, ça faisait la blague. Ça fait plus la blague. Il piffe complètement, à mon avis. Ouais. Bah, c'est le jeu. Hein. Ah, je pense alors, dommage, ça. Il y a un BMP à mettre. Je pense que Tanella, il va perdre. Ah oui, merci.
Oh là là. Dash avant chauve-souris, mon gars. Dash avant chauve-souris. Oh non, oui. Ben ouais, bon, c'est pas mauvais. Ça passait, ça passait. Ça passait, ça passait. Oui, ça passait, à tous les coups. Ils connaissent pas le 4. Bas petit pied, non, il va faire bas petit pied, bas petit pied. Oh là là, il est voulu en tir. Toupsi, quand tu fais le dash avant après la chop, est-ce que tu pries pas? Moi, je prie toute ma vie. Je prie même pas, je regarde si l'animation de la chop se fait. Okay. Oh, voilà. Le genou. T'es déjà en avance en fait. Ah ouais, ouais. Je regarde si l'animation se fait. Clairement. Ou quand je fais chopec, je fais. Voilà. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Le mec bouge. Bah c'est souvent ça ce qui fait entre la bonne Laura et la mauvaise Laura. C'est qu'elle, c'est Chopspay, il passe, tu vois. Ouais. Très bien. Et quand tu fais oh putain, il a sauté, putain, il s'en bat les couilles, il saute. Ça me rappelle, pour la Gfinity, je regardais mon taux de, comment dire ça, de réussite au niveau des shops, j'ai eu 53%, mon gars. C'est beaucoup, hein. Je trouve aussi. Ouais, ça va. Ouais. Oh là là, il se relève. Ah oui, hey, hey. Il va se relever en light punch. Aïe. Oh, ça tue pas. Attention. Ouais, non, bah, c'est bon, il a pas le V-trigger, il peut pas, il peut c'est pas. Mort. Il peut c'est pas, mort, pas, c'est t'inquiète. Mort. Il peut pas, il peut pas. C'est mort en poule. Il peut pas. Si elle avait le V-trigger, je dis pas, mais là c'est le bas moyen pied de Dalsim. Fait tout l'écran. Et le V-trigger de Laura passe à 3 barres. Ah ouais. Ah ouais. 3 barres les gars. C'était beaucoup trop pété. Ouais. Bah oui. Mais Abigail, on l'a laissé à 2 parce que c'est moins pété. Putain, mais c'est bien, ils équilibrent bien le jeu. On est vraiment content. Par contre, ce deuxième V-Trigger. Ouais, Trunks, y a pas de soucis. Rentre. Aucun souci, Trunks. Télétoon. Oui, demain, y a le Téléthon, tout à fait. Ouais. Oh, il a comme d'habitude, dans ses horaires. 20h, demain, 20h. J'avais essayé de passer demain. Oh, la chope. Moi, je suis là tout le week-end. Tout le week-end. Et moi, voilà. Dimanche, c'est check. Sûr. Demain, je vous dis. Je vous tiens au courant. Voilà, check. Mon ami Hitbox. Ah, c'est un frère de Hitbox. Oui, c'est un frère. Ah, il est tricheur. Il est tricheur. Où est-ce que la... Où est c'est la triche, la Hitbox, c'est d'accord. Bien sûr. Où est le coca Cette sensation qu'on appelle coke. Bah, c'était... Il n'y a pas une bouteille, là. Donc, sachez non. Que sinon, Nemo est qualifié pour le top 32. Infiltration est qualifié pour le top 32. PR Balrog est qualifié pour le top 32. Daiminion aussi. Ah, il y a le frère Daiminion. Brian F. est qualifié pour le top cool 32. Kid. Et The Cool Kid, le fameux manga, est qualifié pour le top 32. T'as le mec qui joue Abigail et. On a Mira et Rachid. Ranma-sama. Non, mais t'es bien avec ces deux Alex Meyer, Mojo. Dans le tableau des loser brackets. Voilà. Il n'y a pas de Jap en fait. Ah si, infiltration. Il y a Nemo là. Une infiltration coréen, mais bon. Nemo. Allons jeter tout ça. Ah mais il n'y a pas tant de ça qu'on de mecs qu'on fait qui sont venus faire le tournoi. Exactement. En fait. Exactement. Il n'y a pas tant de Jap que ça. Si, il y a MOV. MOV du coup il doit se taper. Si, laisse la couverture pour sortir des losers. Ok. Allez, nous on marque une petite pause et on se retrouve juste après pour le lancement réel de cette grande soirée dédiée au Capcom Pro Tour avec toute la famille. Voilà, à tout de suite.